Maintenant, on va ouvrir notre livre scolaire à la page 82, leçon 2, exprimer la possession. Exercice 1. Observe les photos et écris une phrase comme dans l'exemple. On va utiliser l'adjectif possessif. On va commencer par B. C'est son chapeau. Ce sont leurs jus. C'est ta gomme. Ce sont ses chaussures. Ce sont nos chiens. C'est votre grand-père. C'est ton apageur. Ce sont ses parents. C'est leur réveil. C'est leur moto. C'est ma guitare. Ce sont ses ciseaux. Ce sont vos photos. C'est son foulard. Toujours, pour bien utiliser l'adjectif possessif, il faut bien savoir où est le sujet de la phrase, comme je, tu, il, elle. S'il y a un nom, je peux le remplacer avec un pronom convenable. Après, fixer la ligne, c'est-à-dire le sujet de la phrase, hand. Alors, je peux remplacer à la mentalité, bien sûr, hand par elle. Alors, devant elle, il y a la ligne sans sasser. Après cette étape, je peux regarder le comblement, le mot qui est après les points, pour bien choisir son, o, sa, o, c. S'il y a après les points un nom masculin singulier, alors son, je choisis son. S'il y a après les points un nom féminin singulier, je choisis ça. S'il y a après les points un nom pluriel, je choisis c'est. On remarque bien que si nous avons un nom féminin qui commence avec une lettre voyelle, bien sûr, je prends mon, ton, son, au lieu de prendre ma, ta, sa. Il faut bien s'entraîner à répondre à la question des adjectifs possessifs. Bonne chance. Maintenant, à la même page, exercice numéro 2. Page 82. Relis les deux parties de chaque phrase et écris les pronoms COD. Chut, ne parlez pas. Le prof vous regarde. C'est la phrase A. La phrase B. Je vais chercher mes affaires. Alors, on va compléter avec 5. Tu m'attends 5 minutes? Le pronom personnel COD utilisé ici est apostrophe C. Julie adore ses potes. On va compléter avec 1. Elle aimait pour aller au lycée. Le pronom COD utilisé ici, les. D. Tu viens à la maison? Je vais compléter avec 6. Je t'invite à goûter. E. La phrase E. Ce CD est génial. On va compléter avec 3. Je l'écoute tout le soir. Ici, le pronom personnel utilisé est l'apostrophe. Monsieur, l'exercice 4 est difficile. C'est la phrase F. On va compléter avec 4. Vous m'aidez, s'il vous plaît? Page 83. Écris les phrases en utilisant un pronom COI, comme dans l'exemple. Les pronoms COI sont lui, leur. Ce sont pour les personnes. À qui il offre un CD? À moi, il m'offre un CD. À qui il donne le livre? Il lui donne le livre. À qui il raconte la fête? À moi. Alors, il me raconte la fête. Toujours, on remarque que le pronom personnel, soit COD ou COI, sa place est toujours avant le verbe ou avant l'infinitif. La phrase D.
à qui il présente ses amis. À nous. Alors, il nous présente ses amis. À qui elle pose une question. À vous. Alors, elle vous pose une question. À qui tu parles? À Pascal et Léa. Tu leur parles. Maintenant, on est à la même page, page 83, exercice numéro 5. Réponds à chaque question de deux manières, comme dans l'exemple. C'est-à-dire, la première manière, je vais utiliser les pronoms COD. À la deuxième manière, je peux remplacer le complément COI avec un pronom COI. Alors, on commence. J'offre le livre à lui. Maintenant, oui, offre-le à lui. J'ai caché le livre. Je le remplaçais par le. Oui, offre-lui le livre. Ici, j'ai caché à lui. Je remplaçais à lui par lui. Oui, offre-lui le livre. Maintenant, B. La phrase B. Nous racontons le film à nos amis. Nous racontons le film à nos amis. À la première fois, on va remplacer le film par un pronom COD. À la deuxième manière, deuxième fois, on va remplacer le nom à nos amis par un pronom COI. Non, à la première fois, ne le rencontrons pas à nous. Ne le racontons pas à nous. À la deuxième manière, ne nous racontons pas le film. Première phrase, ne le racontons pas à nous. Non. Deuxième phrase, ne nous racontons pas le film. C'est, je donne les croquettes au chat. À la première fois, on va remplacer les croquettes par un COD les. Deuxième fois, on va remplacer au chat par un COI. On va lire les phrases. Ne les donne pas au chat. On a remplacé les croquettes avec les. Deuxième manière, ne lui donne pas les croquettes. Alors ici, je cachais au chat, je le remplaçais par lui. La phrase D, elle prête la robe à sa sœur. À la première fois, on va remplacer la robe avec un COD. Deuxième fois, bien sûr, on va remplacer à sa sœur par un COI. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par la préposition à. Alors, elle ne la prête pas à sa sœur. Deuxième manière, elle ne lui prête pas la robe. Maintenant, on a fini. On dit toujours, il faut bien répondre aux questions, il faut bien réfléchir avant de répondre. Bonne chance.